Attention, attention Louis, avec Mathieu Maxillière qui essaye évidemment à l'extérieur, mais Louis ferme la porte. Oui, Mathieu qui a failli faire un faux départ hein, d'ailleurs. Ouais, il a essayé de se positionner à l'extérieur, mais il a bien fermé la porte. Il n'était pas loin de se faire derrière il y a du changement. Derrière il y a du changement avec un terrible départ de Sacha Frost qui est troisième. Louis Rousset, qu'est-ce qui s'est passé pour Louis Rousset? Il perd énormément, il a perdu 5 places. Ouh là 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 là, Sacha Frost troisième. Il en a doublé 3. Eh ben voilà un nouveau Prost qui fait parler de lui, tant mieux. Oh, le départ de Sacha Frost devant Christophe Ferrier, quatrième. Départ complètement loupé Louis Rousset. Ah oui. Avec Mathieu Vassivière qui va tenter de revenir sur Louis Gerbozon. Ou alors que Christophe Ferrier attaque Sacha Prost, le retour de Ferrier, vous l'avez dit. Oui, ça ne m'étonnerait pas qu'il aille chercher les trois premières places, Christophe Ferrier. Attaqué également par Vincent Beltoise. On va surveiller la voiture bleue de Christophe Ferrier alors que Louis Gerbozon est en train de creuser l'écart et que voilà Christophe à l'attaque. Ah oui, Louis Gerbozon impeccable. Oui, oui. Il a résisté comme il le fallait au départ. Bon, Christophe Ferrier, cette fois sur Sacha Prost. Peut-être que ça sera bon, la grande ligne droite. Il va attaquer à l'intérieur. Regardez, comme il a balancé la voiture bien avant Sacha Prost pour essayer de mieux sortir de la parabolique. Un superbe course tactique de Christophe Ferrier. Et là, peut-être à l'intérieur. Oui, le freinage de Christophe Ferrier. Ouh, génial. Ouais, c'est bon. Génial. Non, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, ça a failli profiter à Vincent Beltoise. Bah oui. Ah, mais il l'a piqué au freinage, type circuit, mais ça n'a pas fonctionné. Et là, on a quand même une démonstration technique extraordinaire. Hein. Alors que Clémentine Loss n'est pas très loin avec la Loxam. Ouais, attaqué par Louis Rousset qui a complètement loupé le départ. Là. Dommage, il va peut-être perdre le podium du coup. Et au passage, on peut quand même souligner le bon comportement de Sacha Prost, hein, parce que résister à Ferrier, c'est quand même pareil. Oh là là, Beltoise qui est parti à la faute. Ça va peut-être pas durer longtemps. Ouais, Beltoise parti à la faute en attaquant Ferrier. Quel rebondissement dans cette finale. Ouais. Oh là là. Alors que Louis Gerbozon s'est bien mis à l'abri. Hein. Seule une bêtise pourrait l'empêcher, je pense, de faire un sans faute, Loulou. Alors que Mathieu Vassivière est trop juste pour revenir. Ouais, Sacha Prost s'est mis à l'abri de Christophe Ferrier. Pas mal. Pour l'instant, ouais. Christophe qui a porté une attaque qui n'a pas été décisive, qui était très belle, mais... Attention, course monotype encore une fois, les voitures sont à égalité. Et Louis Rousset qui attaque de partout Clémentine Lost, qui est beaucoup plus à l'aise en course qu'en qualif. Oui, on est d'accord. Ouais. Et Louis Gerbozon, record du tour, donc aucun problème. Pour l'instant, non. Je dis pour l'instant parce que faut se méfier quand on dit qu'un pilote est prêt de l'arrivée. Généralement, ça lui porte la chicoune. Christophe Ferrier qui revient, semble-t-il. Et Vincent Beltoise qui s'est quand même bien loupé, hein, qui a perdu beaucoup de place là. Contre-performance pour Vincent. Ça arrive. Mathieu Vassivière complètement impuissant à aller chercher Louis Gerbozon. Et Christophe Ferrier n'a pas dit son dernier mot sur Sacha Prost. Non, c'est ce que je disais. Il revient. Ce sont deux grandes tailles. Hein. Sacha Prost est grand hein, par la taille. Mm-hmm. Et Christophe Ferrier également. Allez, pas de problème pour les deux premiers. L'attaque de Ferrier qui revient. Et puis le duel Clémentine Lost-Louis Rousset, incroyable. Hein. Ça n'arrête pas. Hein. Mais Clémentine se défend très très bien. Oui, mais elle a passé un message sur Twitter en disant « Je suis embêté par un petit forestier. » Qui me suit. Ah, oui. C'est pas le petit chapeau rond, le petit forestier. Le petit chapeau rouge et le petit forestier. Ouais, couleur rouge pour l'Oxam en plus. Oui. Alors attention parce que Louis Gerbozon va revenir sur notre invité du week-end Cyril là. Ouais. Qui fait pas de faute. Hein. Ouais. C'est déjà remarquable hein, parce qu'on connaît des invités qui font pas 3 tours. Hein. Cindy, pardon. Là voilà. On rentre bientôt dans le dernier tour, je pense. Et voilà Louis, pas encore, voilà, ça c'est fait. Maintenant pour Louis. Louis Gerbozon arrive. Dernier tour. Oui, dernier tour, ce que je disais. Christophe ne parviendra pas à revenir. Ça va être compliqué. Il est passé. Il est passé le petit forestier. Vincent Beltoise aussi. Ah, elle a perdu 2 places, Clémentine.
Elle a perdu une place. Oh, attention, Luigi Herbozon qui va passer là. Je ne sais pas s'il est passé dans la courbe. Pas sûr. Ouais. On l'a perdu, nous. On va le retrouver. Oui, on espère. Oh non, il n'est pas passé. Aïe. Elle n'a pas vu le drapeau. Et il est coincé derrière. Oh, ça n'a pas dû lui plaire. Oh là là. Non, ça va, il n'a rien perdu. C'est bon, non, c'est bon. Non, mais non, bon. Non, puis elle peut faire le même coup à Mathieu Vassivière en plus. Ouais. Non, faut les laisser passer, mademoiselle. Elle fait le même. Ouais. Drapeau bleu, il est et bleu. Et Mathieu à droite, à gauche. Non, laisse passer. Non. Elle veut pas. Hein. Elle veut pas. Mais bon, heureusement que c'est le dernier tour. Sinon, ça aurait pu complètement changer la course. Oh là là. Allez, victoire de Luis Herbozon. Et derrière, non, ils sont pas passés. Hein. Ils arrivent pas parce que. Elle est à droite, elle est à gauche. Deuxième. Oh là là. Vassivière qui doit hurler. On le connaît, hein, il doit en dire des vertes et des pas mûres. belle victoire de Luis Herbozon. Ouais, finalement, il l'a pas volé. La frayeur de Louis, c'est quand il a dépassé Cindy. Hein. Il s'est dit, oulala. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Pour une fois, une fille me résiste.